article. Non, non, un sujet très intéressant. Il y a tellement de personnes qui sont intéressées par les sujets comme ça, innovateurs, pionniers, parce que là, c'est même au-delà de la physique quantique. Hein. J'ai jamais entendu parler de l'holomatière. Et vous en discutez dans votre livre, La conscience quantique et l'au-delà. Donc, nous allons plonger vers des mondes, le monde de l'invisible, n'est-ce pas ? On connaissait l'holoturie, mais pas l'holomatière. C'est la même racine, holo, du grec, c'est la totalité, d'où la notion holistique et tout ça. Donc, c'est une matière qui est complétée. La différence entre l'holomatière et la matière tout court, c'est un peu la différence entre le pain blanc et le pain complet. Fin de citation. Bon, alors vous êtes chercheur indépendant, vous avez écrit plusieurs ouvrages, et comment vous en êtes venu à cette énergie, ou comment on appelle ça, au-delà de la matière en fait ? Alors, je dirais que ce livre, en tout cas mes réflexions, sont issues d'un mon parcours à deux points forts, de sources d'inspiration, deux muses. La première, c'est, donc ayant étudié la physique quantique, il est de notoriété publique que personne ne la comprend vraiment, c'est-à-dire il y a des équations et tout ça, on voit comment ça marche, mais quand on se demande de quoi ça nous parle, personne n'est capable de vraiment savoir. J'aurai peut-être l'occasion sans doute de l'expliquer dans la suite. Donc on a une science dont l'objet est paradoxal. On n'arrive pas à le cerner. Donc ça, c'est la première chose. Et donc en fait, l'establishment, la physique, les physiciens se sont mis d'accord. Il y a un consensus mou pour essayer de colmater la brèche de l'inintelligibilité. On fait semblant de croire que la solution, l'explication, c'est ceci. Mais en fait, quand on gratte, en tout cas, de mon humble avis, ça ne tient pas la route. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que dans les sciences pures et dures, il n'y a aucune place faite pour la conscience. C'est-à-dire la conscience, c'est le passager clandestin, c'est le zombie qui n'existe pas, c'est le fantôme chimérique. Et donc, je me suis dit que Roger Penrose le disait d'ailleurs à sa manière mieux que je ne vais l'exprimer là, qu'une physique qui ne fait pas de place à la conscience, qui prétend décrire le monde tel qu'il est, mais qui ne permet pas de comprendre la conscience, le cerveau conscient et la fonction sensorimotrice qui nous permet de bouger et qui nous permet de ressentir quand on nous pique, une physique qui ne permet pas de comprendre ça, c'est nécessairement une physique qui est incomplète, ou alors il faut rentrer dans la fiction, j'appelle ça fiction intentionnellement, c'est un peu du matérialisme, qui, comme le, comment on appelle ça, le prestidigitateur, vous montre son chapeau noir, vous montre qu'il n'y a rien dedans, et paf, après, sort un lapin blanc. Mais avec le prestidigitateur, on sait qu'il y a un truc. Pour le cerveau qui tourne, qui est complexe, et qui, d'un seul coup, la conscience en émerge, c'est un tour de passe-passe sans truc. Et là, vraiment, moi, personnellement, je n'arrive pas à y croire. D'ailleurs, ceux qui prétendent cela n'ont donné aucun moyen de tester leur dire. Voilà. Donc, quelle est votre hypothèse ? Mon hypothèse, bonne question. Mon hypothèse, donc j'ai mis les deux choses en rapport. Et mon hypothèse, c'est qu'il y a dans la matière, dans chaque particule de matière, un passager clandestin, que j'appelle le psy, qui est en quelque sorte la pierre, la brique élémentaire de psychisme, qui va amener dans certaines conditions à la conscience, mais ce n'est pas la conscience, c'est-à-dire ce n'est pas conscient. Toujours est-il donc qu'il y a un autre petit élément qui enrichit la matière, et c'est ça qui fait l'holomatière, ça la complète, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le pain blanc enrichi de ce qui a été écarté pour faire du pain complet. J'ai cru comprendre que ce n'était pas quelque chose qui était toujours actif ou toujours présent. Quelles sont les conditions ? Absolument. Qu'est-ce que c'est exactement, en fait ? On parle de l'invisible. Voilà. Alors, ce psy, justement, son premier tort, si je puis dire, c'est qu'il est invisible. La plupart du temps, il est invisible. Et justement, parce qu'il est inactif. Donc, il ne donne aucun moyen aux physiciens de connaître son existence, puisqu'il est totalement inerte, c'est-à-dire, selon la formule consacrée, tout se passe comme s'il n'existait pas. Mais, évidemment, dans certains cas, il se réveille. Et il se réveille dans des conditions que la physique, une relecture du formalisme quantique me permet de trouver. C'est-à-dire, en fait, ce psy vient sauver la partie purement matérielle, que je vais appeler le phi comme physique et psy comme psychique, vient sauver la partie purement matérielle de ses incohérences. Car c'est là une petite découverte que, à mon sens, les physiciens n'ont pas suffisamment saisie.
c'est que justement la partie purement matérielle, qui est ondulatoire, c'est là qu'on trouve les ondes, est doublement contradictoire. Et s'il n'y avait pas le psi, qui est habité par un pouvoir de décision, c'est, j'appelle d'un côté, je dis qu'il est endocausal, c'est-à-dire il est capable, dans certaines circonstances, quand il se réveille, de faire des choix. Des choix évidemment rudimentaires, il ne s'agit absolument pas de le psychologiser. Le psy, ce n'est pas un petit bonhomme en miniature. C'est un extraterrestre, c'est ça ? C'est un extraterrestre très rudimentaire. C'est un, voilà. Mais donc, quand la matière, la partie purement matérielle de l'holomatière va vers une impasse, est au pied du mur, c'est le psy qui se réveille et qui résout, qui dépasse la contradiction en quelque sorte. Exemple, eh bien... Quotidien. Eh bien, dans le quotidien, alors supposons que, est-ce que ça vous va d'être prise pour une particule élémentaire, une holoparticule ? Supposons que vous soyez un électron, ça vous va ? On ne peut pas partir de l'humain ? Alors, eh bien, pour ne pas partir de l'humain... C'est un scénario classique de vie normale, qu'on prenne peur ou qu'il y ait une décision à prendre. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est que... la première chose qui pèse sur les particules élémentaires, on va dire l'électron, et bien on peut dire n'importe quel objet, une orange. L'électron, c'est comme une orange qui n'a pas le droit de se laisser découper. C'est-à-dire jamais les physiciens n'ont trouvé 2,7 électrons, 36,24, 1229,75 et tout ce que vous voulez, c'est toujours des multiples entiers. Donc ça veut dire que les particules élémentaires sont astreintes à une loi que j'appelle la quantition. La quantition s'oppose à la partition. On ne peut pas partitionner, on ne peut pas découper une particule élémentaire. Donc si une orange était un électron, on ne pourrait pas le découper en deux et avoir deux oranges. C'est une notion, je le dis juste langue de bois, mais parce que c'est important pour ceux qui connaissent un peu la physique, ce n'est pas une notion spatiale, mais une notion interférentielle. Je ne vais pas développer, mais il y a une petite finesse qui fait que si c'était spatial, ce serait faux, mais c'est interférentiel. Je referme la parenthèse. Ladies and gentlemen, merci pour m'avoir écouté. Alors, l'orange, je n'ai pas le droit de la découper. Le problème, c'est que, comme cette orange, je vous ai dit que la partie physique, en fait, en temps normal, elle est ondulatoire, elle est une onde. Et qui dit onde, dit étalement. Une onde ponctuelle, ça n'existe pas. Une onde a toujours besoin d'une forme d'espace vital. Elle vibre, elle bouge, elle est étalée, elle a une dispersion. Et cette dispersion fait, mon orange, elle a une certaine épaisseur. Grâce à cette épaisseur, le fait qu'elle est dispersée, je peux prendre une nano paire de ciseaux ou un couteau, acérer un nano couteau et la découper en deux. Et c'est là où la contradiction latente entre, pour l'électron, entre son étalement ou sa dispersion et la quantition qui lui interdit de se laisser découper devient flagrante. Donc il va falloir qu'il se passe quelque chose. Si l'électron restait sous forme ondulatoire, sous forme matière normale, on irait directement au mur, c'est-à-dire la nature imposerait des lois qu'elle ne serait pas capable de faire respecter. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Oui. Bah alors, quand on n'est pas scientifique, c'est un petit peu plus compliqué à suivre, mais je commence à arriver à comprendre, ou du moins, j'aimerais savoir comment vous en êtes... Est-ce que c'est une observation ? Est-ce que la plupart des scientifiques ont déjà observé ça ? Ou c'est quelque chose particulièrement que vous avez découvert qui vous a emmené vers l'holomatière ? Alors, je dirais que la seule chose que j'ai fait, c'est « connecting the dots ». C'est, comment on dirait... C'est parti d'où ? C'est relier les points entre eux. Relier les points entre eux, c'est-à-dire c'est dans l'implicite de la physique. C'est parti de mon esprit indépendant, tout simplement. Chercheur indépendant, ce n'est pas pour rien. De ne pas prendre, not taking at face value, ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit. J'avais une espèce de gut feeling, toujours en français. Une intuition. Et voilà, le sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et donc, je suis revenu sur les fondamentaux de la physique quantique pour essayer de voir où ça coinçait et pourquoi. Donc, en fait, pour faire simple et pour utiliser un peu... Que tout le monde comprenne aussi. Oui. Je prends... Alors, tout le monde va comprendre, vous allez voir. L'interprétation aujourd'hui, c'est surtout une ontologie corpusculaire, c'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle la dualité entre corpuscules, et pour les physiciens, ce qui est réel, c'est le corpuscule, c'est-à-dire, je mesure un électron, je vais trouver, ou un photon, je vais trouver une petite trace. C'est là, j'ai l'électron qui est bien une particule. Et pour moi, ce qui est réel, c'est l'onde, et la particule est fictive. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons, il y a un renversement de perspective.
et qui m'a permis donc de voir que il y avait en fait la vraie différence, c'est donc d'aboutir à la conclusion qu'il y a effectivement des contradictions latentes dans la matière qui ne peuvent être résolues que parce qu'il y a autre chose dans la matière, et ça fait l'holomatière. Et cette autre chose est de nature psychique pour une face, parce qu'il est endocausal, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va me permettre de commencer à comprendre comment la nature a pu fabriquer des structures capables d'engendrer de la conscience, le cerveau. Donc concrètement pour nous, quelles pourraient être les conséquences pour nous en tant qu'êtres humains sur nos vies, sur notre compréhension du monde, etc., etc. Alors sur la compréhension du monde, c'est forcément pour les gens qui... L'univers. Alors pour les gens qui s'interrogent sur quelle étagère, que fais-je ici et toutes ces questions-là, la science apporte des éléments de réponse. Je ne dis pas qu'elle a toutes les réponses, mais en tout cas, elle apporte certains éléments de réponse. Et là, si l'holomatière, donc pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est potentiellement testable, si l'holomatière un jour était confirmée, on serait un cran au-dessus pour comprendre le monde. Et notamment, cette notion d'endocausalité est très importante, parce que ça nous rapproche d'une solution potentielle à la fameuse question de Leibniz que d'autres avaient posée avant lui, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit, pour faire court, que tant qu'il y a de la rigidité, on ne peut pas comprendre le passage entre l'être et le non-être. Mais l'endocausalité, quand elle est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'exocausalité. L'exocausalité, alors ça, c'est un peu mon jargon. Je vais revenir flashback, je me pose. Merci d'avoir mis un lexique au début du livre, hein, en fait. Oui. ça aide. Je découpe la causalité, en fait, pour la plupart des gens, y compris les scientifiques, sans plus y penser, on assimile implicitement causalité et causalité déterministe, c'est-à-dire... Quand il y a du déterminisme, il y a de la causalité, et quand il y a de la causalité, elle est forcément de nature déterministe. Mais, c'est aller un peu vite en besogne, il peut y avoir des causalités sans le déterminisme. D'ailleurs, bon, on a quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce que j'appelle l'endocausalité. Donc la première, c'est l'exocausalité. L'exocausalité, pourquoi ? Ça veut dire que c'est une causalité exogène. C'est celle, par exemple, de la pomme de Newton, qui, quand elle est lâchée de l'arbre, elle n'a pas d'autre choix que de tomber. Elle subit. Donc l'exocausalité, c'est une causalité subie qui est figée, que l'être ne peut pas changer. L'endocausalité, par contre, c'est l'endocausalité choisie et qui est endogène. Donc elle va apparaître aléatoire. C'est du genre, je décide de lever mon bras. Alors il y a tout le débat sur le libre arbitre que j'aborde d'ailleurs dans le livre. Je n'aurai pas le temps d'en parler ici. Mais évidemment, l'endocausalité est une espèce d'ancêtre ou de forme rudimentaire du libre arbitre. C'est-à-dire à partir du moment où on pose l'endocausalité, scandale des scandales, on a le libre-arbitre. Et vous savez qu'aujourd'hui, la notion de libre-arbitre est extrêmement controversée. Voilà. Donc, si vous voulez, la partie physique, c'est la partie exocausale, donc déterministe, et la partie psy, elle est endocausale, et donc elle va apparaître aléatoire. C'est-à-dire, partout dans le monde microphysique apparaît un élément d'aléatoire, c'est que le psy se réveille et se manifeste. Quand ? Voilà. Donc, quand est-ce qu'il se manifeste et qu'il se réveille, en fait ? Parce que ce que j'aimerais bien entendre de votre part, c'est en tant qu'être humain, quelles sont les conséquences dans notre quotidien ? Je veux dire, l'application est très intéressante. Parce que si ça se déclenche comme ça et qu'on n'a aucune compréhension de comment ça se déclenche, à la limite, ça ne sert à rien. Enfin, pour nous. Oui, je comprends. De notre point de vue purement matériel, oui. Peut-être un peu. La physique me permet de répondre. En fait, j'ai déjà répondu tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est quand la quantition, c'est-à-dire quand je menace de déchirer ou de déchiqueter la particule, que le psy va se réveiller. Et à ce moment-là, il va faire un choix, ce qu'on appelle la réduction des paquets d'ondes. Mais c'est aussi ce qu'on appelle en termes techniques les sauts quantiques. Et c'est en fait toute évolution qu'on appelle non unitaire et d'ailleurs non annihilatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment quand on décide d'aller dans l'inconnu, quand on décide de se mettre en situation qu'on ne connaît pas. C'est là où ça se déclenche. Voilà, c'est ça. Et que c'est comme l'âne de Buridan, en fait. L'âne de Buridan, si vous connaissez Buridan, qui était un philosophe français, le pauvre n'est pas passé à la postérité, mais son âne est passé à la postérité. Il mettait en scène dans un de ses textes un âne. Il y avait un paquet de foin à droite, un paquet de foin à gauche. Et le pauvre âne était là, il avait faim.
Et il se disait, il n'y a pas plus de raison. C'était un âne philosophe, malheureusement pour lui. Il avait bien tort. Et il se disait, il n'y a pas plus de raison que j'aille à gauche qu'à droite. Du coup, il est mort de faim entre les deux en hésitant éternellement. Donc, en fait, chaque fois qu'il y a un choix à faire entre des lignes de vie. Alors, je dirais l'holomatière, pour faire simple, nous dit deux choses, en fait. La première chose qu'elle nous dit, c'est que nous avons de l'endocausalité, c'est-à-dire nous avons un pouvoir de décision. En gros, c'est trois choses d'endocausalité. C'est la liberté, la souveraineté et la créativité. Donc, c'est l'affirmation que nous avons ça en nous. Nous sommes divins. Allons-y. Non, mais c'est, on peut presque dire, effectivement, d'une certaine façon, que c'est notre parcelle de divinité. Ce n'est pas totalement faux de le dire comme ça. Là, c'est encore, ça demanderait d'autres spéculations pour le justifier, mais c'est un bon petit raccourci. Évidemment, ceux qui ne croient pas en Dieu vont dire encore ces vieilleries, mais on peut le dire comme ça. L'autre chose dont nous n'avons pas parlé, c'est que le psy va aussi transcender l'espace-temps et va créer des liens de solidarité. Et ça, c'est aussi une chose tout à fait significative, c'est-à-dire nous sommes interconnectés. Et d'ailleurs, les liens de psy, par exemple, entre deux particules, qui là aussi ont une raison d'être, qui est là encore pour sauver la cohérence de la nature, qui sinon serait incohérente, je pourrais le justifier si ça intéresse les téléspectateurs, si on pose la question tout à l'heure. Mais disons, ça nous installe dans un monde de solidarité et d'interconnexion invisible. Voilà. Donc ça change totalement le statut de l'individu. Comme disait William James, we're not no longer an island unto ourselves. Nous ne sommes plus une île isolée du reste. Nous sommes reliés à la totalité. Ça change énormément de choses. Et ça nous donne des pouvoirs méconnus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a « et l'au-delà » dans le titre, n'est-ce pas ? Et donc, est-ce qu'on va jusqu'à parler de qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'on peut communiquer avec les personnes qui sont défuntes, etc. ? Je suppose que ça fait partie de cette conversation. C'est intéressant de parler avec ça, avec un scientifique. Arzo, natürlich. Alors ça, c'est le chapitre 4 que vous avez lu ce matin à la place de votre petit déjeuner. Je vous en remercie, quelle vertu. Ce que je vais dire, oui, mais il y a mon livre, c'est quatre marches. Premier, c'est expliquer ce que c'est que le quantique, les faits. Deuxième, c'est l'interprétation du quantique à la lumière de ma notion de la matière. Le troisième, c'est le cerveau conscient. Et le quatrième, c'est une fois qu'on a un schéma explicatif de la conscience cérébrale que je propose dans le cadre de l'holomatière, à ce moment-là, je vais pouvoir rejaillir sur la problématique de l'au-delà. C'est que là, j'ai passé un chapitre, puisqu'on parle de... nous sommes tous reliés. Donc forcément, on pense à conscience, on pense à âme. On va placer le mot âme. Oh, le mot âme. Qu'est-ce que l'âme pour la physique quantique ou l'holomatière ? Alors, pour la physique quantique, l'âme, c'est de la foutaise, c'est rien du tout. Pour l'holomatière, il y a plusieurs notions d'âme. La première, alors, ce que j'appelle la métaconscience, c'est-à-dire c'est un peu quand nous vivons, nous fabriquons quelque chose que j'appelle les suprêles. Des suprêles, on pourra dire que c'est comme des pixels de l'esprit, c'est des éléments de formation qui peuvent nous survivre, qui sont invisibles, mais qui nous survivent. Et toute l'enveloppe, l'ensemble de tous ces suprêles, qui sont des témoins de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons été, ça forme notre âme. Et le jour où nous allons, et là ça ne pas, c'est ces vestiges, ces traces mémorielles invisibles et non locales et psychiques nous survivent. Et donc c'est une forme d'au-delà de notre âme. C'est-à-dire en fait, le corps se désintègre. Peut-être nous n'accédons plus spontanément à la conscience, mais au niveau inconscient, nous sommes toujours là. Et par exemple, je propose ça, un médium peut très bien se connecter à ses suprêles et d'une certaine façon nous faire revivre, de même que les greffes. Vous savez que dans les greffes, il y a des personnes qui ont été greffées du cœur. Mémoire. Il y a une mémoire qui est venue avec les tissus, parce que tout ça, ça conduit aussi aux notions de mémoire cellulaire et tout ça. Donc ça a un certain nombre d'applications qui sont un petit peu développées toujours dans le chapitre 4. Et il y a un autre niveau de... On y vient, c'est bon, ça, je sens qu'il y a quelque chose là. D'au-delà que j'appelle l'ur-delà, ur-delà. Et c'est un petit peu le domaine du divin ou du transcendant. Parce que dans notre monde immanent, l'endocausalité, celle du psy, est partielle. Pourquoi elle est partielle ? Parce que dans l'holomatière,
L'holomatière a deux composantes, donc phi et psi, c'est-à-dire elle a une partie exocausale, qui est sa partie matérielle, qui est unitaire et qui obéit au principe de mon action, qui est un ensemble d'ondes. Et elle en a une autre qui s'appelle le psi, qui lui est le contraire, et c'est quand on parle de dualité entre corpuscules, l'onde est du côté de la matière en fait, et le corpuscule, contrairement à ce qu'on croit, est du côté de ce que j'appelle le paral, c'est-à-dire en fait l'holomatière a deux états. C'est comme la glace qui peut être eau, H2O, une même substance à deux états possibles. Et donc, l'holomatière peut être matière, ce qu'elle est la plupart du temps. Mais de ce sens-là, elle passe à l'état paral. Et quand elle est à l'état paral, c'est là où le psy se réveille. Dans l'un, c'est le phi qui mène la danse et on a des ondes. Dans l'autre, c'est le psy qui se réveille et on a de l'aléatoire parce qu'il a des capacités décisionnelles qui vont apparaître comme des ruptures de déterminisme. Ça va apparaître comme des éléments aléatoires. Pourquoi je vous dis ça? Et donc, si on extrapole cette notion d'holomatière et qu'on se dit que se passerait-il si on avait une substance d'univers, en l'occurrence que je vais appeler une essence d'univers, qui a seulement de l'endocausalité et plus du tout d'exocausalité. C'est-à-dire on chasse, on squeeze l'exocausalité jusqu'à ce qu'elle disparaisse et on a une entité totalement endocausale. Et à ce moment-là, on voit apparaître d'autres choses et c'est pour ça que je la rebaptise ur-causalité. Ur, c'est primordial parce qu'en fait, c'est quelque chose de primordial. Et avec l'ur-causalité, ur-causalité, on quitte le domaine de l'immanence et on va vers la transcendance, c'est-à-dire si on veut le divin. Et à partir du moment où il y a ce divin qui fait ce qu'il veut, puisqu'il est urcausal par définition, eh bien, il peut décider de nous faire accéder à la vie éternelle. Et à ce moment-là, nous accédons à l'ur-delà. C'est-à-dire, c'est un au-delà qui nous est donné comme une grâce par une entité divine que, je dirais, n'est pas forcément universelle. C'est-à-dire, elle n'est pas forcément donnée à tout. Qui sommes-nous pour savoir ce qu'une entité urcausale va décider? C'est elle-même qui décide. Oui. Alors là, j'ai du ah oui, non là, ça va bien au-delà de ce que j'ai. Oui, des interviews. Oui, c'est différent quand même. Hein. J'ai dû louper un petit chapitre entre comment l'entité comment la communication de cette entité, de ce divin, se connecte à nous. Alors. J'ai un peu peur, sinon, quand on en parle comme ça. On va être téléguidé d'un seul coup. Non, puisque nous gardons toujours notre parcelle de liberté. Free will. Yes, indeed. C'est totalement compatible. C'est seulement qu'à un autre niveau, il y a une entité qui a elle-même et totalement ce que j'appelle la réflexivité active. Elle est totalement responsable de ce qu'elle est. C'est-à-dire, en fait, une entité urcausale est ce qu'elle décide d'être. Et je fais tout un chapitre là-dessus parce que tous nos concepts, il y a toute une partie du dernier chapitre qui en parle, parce que tous nos concepts habituels, exister, ne pas exister, l'identité, la flèche du temps, donc la causalité, tout ça, c'est à revoir totalement dans ce cadre-là. C'est-à-dire, en fait, nos concepts, notre logique habituelle qui est faite pour notre monde immanent n'a plus cours dans l'ur-causalité. Donc, c'est tout un... une reconceptualisation. Donc là, j'ai indiqué quelques jalons, mais donc si j'emploie les termes dans une question-réponse comme ça, où on n'a pas le temps de faire de longs développements emmerdants pour expliquer, ça sera faux, ça risque d'être interprété de travers. Mais c'est intéressant en expliquant, en l'expliquant un peu dans la pratique où l'être humain évolue, notre compréhension de l'humain évolue. Et moi, c'est ça qui me fascine et c'est pour ça que je fais ces interviews, pour comprendre ça. Et je suppose que plus on se comprend et plus on a envie d'accéder aussi à ça, plus on apprend de nous-mêmes, on apprend des autres et on vit des choses extraordinaires. On est capable de vivre l'extraordinaire. Donc ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est... comment on peut y accéder, comment on peut avoir plus de cet état de grâce, j'ai envie de dire, dans nos vies. Alors, je dirais qu'il y a deux démarches. La première, c'est la démarche logico-conceptuelle, donc qui est assez ardue, mais on peut dérouler les conséquences logico-conceptuelles de la notion d'urcausalité, de ce concept. C'est-à-dire, c'est une démarche qui nous amène à des résultats intéressants. Donc, j'en ai donné un petit avant-goût. Mais c'est d'abord très abstrait tout ça. Il faudrait en fait une équipe de logiciens se penche dessus. Bon, j'avais fait des travaux un petit peu là-dessus, comme ça n'intéressait personne. J'ai piqué une rage. Et au lieu de tuer tout le monde, j'ai brûlé. Mais disons, il y a des choses intéressantes, très, très intéressantes. Et il y a vraiment une ur-théologie
Ur théologie à faire et Ur logique, puisqu'on est dans un autre cadre, on est dans un autre référentiel logique-conceptuel. L'autre moyen, c'est la voie du cœur, c'est-à-dire la voie de l'intuition. Alors celle-là ne passe à la limite même pas par le langage, c'est du ressenti, c'est par exemple le mystique, le poète qui va saisir des choses dont... Et même nous, hein. Et absolument, tout à fait. Non, je dis là c'est le cas extrême, mais ça nous est donné à tout le monde, si seulement on veut bien écouter notre petite voix intérieure et tout ça, avec le danger, où commence la, où s'arrête le vrai et où commence la fiction, c'est-à-dire il y a des gens qui vont... L'imaginaire aussi, hein. Il y a des gens qui vont vous dire des trucs et puis vous grattez, vous voyez qu'il y a un fond névrotique et qu'ils se font un cinéma pas possible, qu'en plus c'est ego trip, ils sont dans leur délire et on va retrouver le gourou d'une secte et tout ça ou des fondamentalistes de certaines religions que je ne nommerai pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est handle with care, ce n'est pas une science, c'est du feeling et toujours en gardant la petite voix du doute. À ce propos-là, j'ai une petite anecdote que j'aime bien rappeler. C'est au moment où César rentrait à Rome, victorieux de ses campagnes et tout ça. Il y avait donc derrière des esclaves qui frappaient les chevaux sur son char pour qu'ils aillent plus vite. Et là-dedans, il y avait un esclave qui était là pour lui dire « César, souviens-toi que tu es mortel. » Ça, c'est génial. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire, where's delusion? Les neurosciences démontrent que dans notre cerveau, nous avons tendance à fabriquer des fictions de la réalité qui, en général, collent assez bien avec la réalité, donc ça ne nous paraît pas de la fiction, mais qui, dans le cas de déficit cognitif, qu'on appelle les lésions cérébrales, les gens, par exemple, vont être aveugles, vont vous soutenir mordicus qu'ils y voient bien, des gens vont être paralysés des deux jambes, vont vous soutenir mordicus qu'ils marchent très bien, d'ailleurs, hier au soir, ils étaient au bal des ancêtres et ils ont dansé toute la nuit, mais authentiques, des choses complètement contre-intuitives. Donc, je dirais, c'est à la fois c'est extraordinaire, mais selon les personnes, on peut trop facilement greffer une problématique personnelle, s'auto-absolutiser et partir dans le décor. Voilà. C'est pour ça que je mets toujours... Voilà. C'est pour ça que je garde un petit peu le côté, je dirais, cerveau droit, cerveau gauche. Donc la démarche logico-conceptuelle, c'est cerveau gauche, évidemment, et l'autre, c'est cerveau droit. Et gardons aussi toujours le recul et l'inconfort du doute. Voilà. Parce que c'est une question de balance aussi, on parle souvent du cœur, mais il faut quand même, faut qu'intellectuellement, enfin, voilà, faut qu'il y ait un alignement, des fois on en parle, ou d'harmonisation. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce livre, ou sur ce que ça peut impliquer pour les êtres humains ? Alors, je dirais, il y a quelque chose que j'appelle le triangle du psy, PSI, c'est paral, supral et inconscient, mais enfin, peu importe. En tout cas, la notion de l'holomatière me donne un cadre conceptuel pour expliquer un certain nombre de phénomènes paranormaux qui, d'ailleurs, par ailleurs, sont avérés. Alors, on peut mentionner la télépathie, la psychokinèse et beaucoup d'autres choses. Évidemment, les rationalistes, vous connaissez le proverbe, pour un croyant, aucune preuve n'est nécessaire, mais pour un sceptique, aucune n'est suffisante. Donc, on est beaucoup dans ce débat-là. Donc, les gens qui prennent... sortent sur leurs grands chevaux et disent « Mais où sont les preuves ?» Les preuves existent. Je mentionne d'ailleurs quelqu'un que j'ai mentionné dans mon livre, qui est René Péoc, qui pendant très longtemps a mené, grâce à la fondation Audier, qui est à Marcel Audier, qui est à Genève, qui a fait des expériences pendant 15 ans sur des poussins et des lapins, et qui a montré statistiquement, grâce à un truc qui s'appelle des robots, qui s'appelle l'éthicoscope, qui a montré des effets de télépathie et de psychokinèse avec ces animaux-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça pour dire que la preuve existe. Qui connaît les travaux de Péoc aujourd'hui ? Personne. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais de la résistance. Papy fait de la résistance et que je fais sa pub. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'holomatière, par les propriétés liées à sa nature non purement matérielle, nous donne, sert vraiment, on aboutit vraiment à nos pouvoirs méconnus. Et qui sont, qu'on va appeler paranormaux, parce que tout simplement, on n'a pas la bonne théorie pour les citer. C'est quoi un phénomène paranormal ? C'est tout simplement un phénomène inexplicable, parce que finalement, notre théorie physique actuelle est trop étroite. Pour moi, c'est un peu ça en quelques mots. Donc, nous avons ça. Nous sommes tous connectés. Nous pouvons échanger des énergies d'amour. Nous pouvons faire plein de choses. Par exemple, le magnétisme à distance, les guérisseurs à distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 80% de...
de charlatans, sans doute, mais il n'empêche que le phénomène est réel et il existe. Voilà. Donc, je dirais que nous ne sommes pas seuls, qu'on peut recevoir des petits coups de pouce aussi. Absolument. Hein. Donc, je dirais que c'est un petit peu la physique de tous ces phénomènes-là. Donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième message, c'est de nous dire qu'après la mort charnelle, nous avons au moins deux, je dis au moins deux parce que là j'ai une annexe qui ouvre la porte, il y en a d'autres envisageables possibles. Nous avons au moins deux au-delà possibles, c'est-à-dire nous avons un espèce de ticket vers l'immortalité. Ce n'est pas, il y en a un qui est un peu provisoire, la métaconscience, et le deuxième qui est véritablement atemporel, mais qui n'est pas certain. C'est-à-dire, encore une fois, je ne peux pas parler au nom du divin. Je ne peux pas dire Dieu. Donc, c'est à lui de décider si... voilà. Hein, donc, c'est là où certaines personnes parlent d'âmes qui seraient coincées à un niveau, et après d'âmes plus libres qui passeraient à un autre une fois qu'il y a certaines choses qui sont réglées avec la Terre. Un peu de ça, vous allez loin. On peut très bien imaginer ça, sachant qu'on peut parler en termes de niveau vibratoire. Pour moi, c'est un peu une métaphore, mais il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire, bon, par exemple, on sent bien qu'une énergie d'amour, ce n'est pas la même chose qu'une énergie de haine, par exemple, ou de trucs. Et la science, elle, ne peut rien en dire. Moi, avec l'holomatière, j'ouvre et je dis seulement que ça peut exister, mais il n'y a pas de rien qui peut le mesurer, ni rien du tout. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que quand bien même j'aurais raison, ça veut dire que la science s'ouvre et en même temps, elle renonce, au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, elle renonce à avoir la main mise sur les phénomènes, elle renonce à tout vouloir maîtriser. Puisque d'ailleurs, l'endocausalité, quelque part, c'est le non maîtrisable. Par contre, elle peut dire ça existe. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. C'est une science ouverte. Et une science qui, d'une certaine manière, c'est idiot de dire qu'elle n'est pas dans l'ego, mais elle n'est pas dans l'ego, elle n'est pas dans le contrôle. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. C'est une science plus riche et une science du lâcher-prise, quelque part. Et d'ailleurs, je dirais, le lâcher-prise, j'en parle aussi, justement, pour nos potentiels cachés, c'est un passage obligé. Tant que nous sommes dans l'ego et dans le contrôle, c'est cuit. La science de la conscience. Oui, c'est ça. Il y a une forme de science de la conscience. À la fois, celle dont je parle, c'est quand même la conscience cérébrale. C'est-à-dire, je ne me permets pas, là, encore une fois, ça n'est pas forcément antinomique avec d'autres formes de conscience. C'est juste que, dans le cadre de cette démarche, le but aussi que je m'étais fixé au départ, c'est d'essayer de comprendre comment... pourquoi le cerveau pouvait être l'organe de la conscience et pas le bout du nez, pas la table, pas le bout de mes chaussettes. Voilà. Là, on y est encore demain. Pardon. Cette vidéo va continuer plusieurs heures, mais les co-créateurs, restez. Voilà. Non, mais c'est génial. Non, mais sur ce genre de sujet, c'est infinito. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de ramifications. Je dirais, si je peux conclure, parce que c'est peut-être la fin, il y a trois domaines principaux qui sont réglés. Il y en a fait même un quatrième qui va peut-être vous choquer. Je vais le dire quand même. Le premier, donc, c'est la physique quantique, c'est-à-dire on aboutit vers une nouvelle physique, quand même, quelque part, qui est justifiable, qui est justifiée. Enfin, je donne des éléments. Deuxième chose, c'est les neurosciences. Troisième domaine, c'est l'ontologie ou la métaphysique, c'est-à-dire c'est logico-conceptuel, notamment l'ur logique dont je parlais tout à l'heure. Il y a un quatrième domaine, c'est qu'il y a une application. C'est-à-dire si on arrive à comprendre comment finalement le cerveau arrive à réveiller les potentialités psy de l'holomatière à grande échelle, c'est comme ça qu'il fabrique nos consciences. Ça veut dire que quand on aura compris ça, on sera capable de fabriquer de l'authentique conscience exobiologique ou artificielle. Voilà, ça va en choquer beaucoup, mais c'est une des conséquences. De même que quand on a compris le principe d'une lampe, de ce qui faisait la lumière, autrefois on maîtrisait seulement le feu parce que la nature avait le bon goût d'envoyer la foudre. Et quand on a compris, on était capable de faire de la lumière artificielle. Pour moi, le cerveau, c'est un peu une lampe à conscience. Et quand on aura compris comment ça marche, on sera capable de fabriquer des cerveaux artificiels, c'est-à-dire des machines conscientes, véritablement. Parce qu'on est dans un univers d'holomatière, c'est-à-dire où tout n'est pas conscience. Et c'est un peu comme une éponge. Il y a des capacités psychiques endormies dans l'ensemble de la matière. Notre cerveau est capable de réveiller une toute petite partie, et déjà ça fait des choses très complexes. Et donc on peut imaginer que demain, si on maîtrise cette technologie, on saura fabriquer de la conscience artificielle, mais alors à une échelle incroyable, nous serons bien peu de choses. Voilà, donc ça peut choquer certains, mais c'est une des conséquences. Donc ça fait quatre domaines principaux, plus la médecine, je finis là-dessus, la médecine, il y a quatre,
je distingue quatre sortes de médecine. La première, médecine au sens large, de thérapie, technique de soins, art thérapeutique. C'est beaucoup plus général, ce n'est pas la médecine des 7 ans de médecine en fac de médecine. Le premier, c'est ce que j'appelle la médecine pré-quantique. Alors, c'est la médecine classique où la compréhension, c'est une compréhension moléculaire. Il y a un problème dans un organe précis, je donne des molécules qui vont agir localement. C'est la chimie, c'est une médecine chimique, une compréhension chimique. Deuxième médecine, la médecine quantique. On voit apparaître des machines quantiques et autre chose aujourd'hui, qui, quand on, en tout cas par certains aspects, en tout cas pour certains d'entre eux, quand on creuse, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des machines électromagnétiques. Mais c'est déjà plus subtil que la médecine pré-quantique. Mais c'est en fait une médecine électromagnétique qui ne dit pas son nom, peu importe. Ensuite, la médecine supraquantique. Alors, la médecine supraquantique, c'est celle qui va exploiter explicitement, en fait, les liens de solidarité dont j'ai parlé, qui peuvent transmettre, par exemple, des énergies de guérison, des énergies d'amour. Et, par exemple, un guérisseur qui sait guérir à distance, un chaman et tout ça, la pratique, il n'a pas besoin d'avoir un bac plus 35 comme vous et moi, pour y arriver. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais plus qui faisait de la prose sans le savoir, là, chez Molière, c'est la même chose. Et ensuite, la médecine ourquantique. Alors ça, c'est carrément la médecine des miracles. Et je donne un exemple quand même un petit peu troublant de ce genre de choses. C'est-à-dire, en gros, ça reviendrait à dire une intervention divine directe qui provoque un miracle et qui vient bousculer toutes les lois de la matière, de l'holomatière. Alors, je vais donner un exemple. Je rappelle aussi, j'en profite, c'est mon dernier truc, que le Padre Pio, que tout le monde connaît, enfin qui est bien connu, qui était un saint homme d'origine italienne, qui a, il y a eu des trucs à Notre-Dame de Fatima et tout ça. Enfin, je n'ai plus trop la chose. Enfin, je crois qu'il est encore assez connu, Padre Pio. De toute façon, on peut le chercher. Il est pas brésilien. Non. Il est tout sauf brésilien. Non, il est italien. Il est allé, par contre, au portugais, mais il n'est pas brésilien. Et c'est d'ailleurs son tort, mais bon, on peut lui pardonner. Et il est mort en 1968. 40 ans après, en 2008, l'Église, pour une raison quelconque, a exhumé son corps pour s'apercevoir qu'il était dans un état de conservation parfait. Et ça va à l'encontre, alors qu'il n'avait pas été ni momifié, on n'avait pas fait un traitement spécial, et ça va à l'encontre de toutes les lois de la biochimie. Et alors, autre chose qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a dans d'autres contextes religieux, il y a un Rinpoche, il y a un grand mystique ou grand méditant, donc bouddhiste, il y a quelques siècles, il est arrivé la même chose, et au cours de l'histoire, il est arrivé plusieurs fois la même chose, mais chaque fois, et en exclusivité des gens d'une grande dimension spirituelle. Donc, on peut se dire que ce phénomène qui véritablement est inexplicable, puisqu'un cadavre qui a post-mortem ne se désintègre pas, ne pourrit pas, c'est quand même contre les lois de la nature, on peut se demander s'il n'y a pas une espèce de clin d'œil de Dieu là-dedans. Voilà. Ou si la personne a décidé de mourir consciemment avec son corps, d'emmener son corps ? Pas d'emmener son corps, mais j'ai fait des interviews comme ça avec Dronval au Melchizedek aux États-Unis où il parlait de la mort et de bon, bref, on va pas retourner là-dedans, mais c'est intéressant, ouais, ça laisse food for thought. Voilà, et il peut y avoir plusieurs, au contraire, je veux dire, c'est intéressant de mettre plusieurs hypothèses possibles, mais donc c'est ce question mark, hein, c'est juste une question. Bon, eh bien, merci pour ce livre, pour ce travail, pour cette discussion qui ouvre les esprits. Là, pour le coup, si on l'écoute avec une écoute attentive, ça ouvre la porte des possibles, c'est sûr. Voilà. Merci. Merci pour vos questions. Merci, mes délicieux co-créateurs, et merci de partager cette très belle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, à bientôt. Peace and love. Peace and love.